mardi 27 novembre, France 2 diffusait une nouvelle enquête de longue haleine de Cache Investigation. Pendant 8 mois, l'équipe d'Élise Lucet a travaillé en lien avec l'AIK, ce consortium international qui réunit 252 journalistes dans 36 pays, et qui s'était déjà illustré dans les révélations des LuxLeaks, des Panama Papers et des Paradise Papers, pour infiltrer les méandres du secteur des dispositifs médicaux. Ici, contrairement aux fois précédentes, cette investigation hors norme n'a pas pour origine une fuite de documents confidentiels. Les équipes de journalistes ont mené dans le monde entier une impressionnante enquête de terrain. En France, elles sont allées frapper aux portes des géants de ce marché juteux des dispositifs médicaux, implants mammaires, prothèses de hanche ou vaginales, stents, valves cardiaques, chiffrés à 316 milliards d'euros, Allergan, Johnson & Johnson, Medtronic. Asticoté ministre, Agnès Buzyn, prise au filet de ses contradictions, est responsable d'agences sanitaires, lance dans ses petits souliers, et épluchée une flopée de dossiers médicaux. Et ce que révèle Cache Investigation est proprement glaçant. Le magazine rappelle ce que, c'est, nous savions déjà un peu, à savoir que les histoires de gros sous priment souvent sur la santé des humains, voire sur leur survie. Sauf que, dans cette affaire, la propension revêt une ampleur inédite, une logique implacable. Et augure probablement de grands scandales à venir. Celui des prothèses mammaires qui défraya la chronique il y a quelques années, a été perçu, à tort, comme une fraude isolée, il n'était que l'arbre qui cachait la forêt.